comment télécharger un thumbnail. Alors, un thumbnail, c'est la miniature qu'on voit dans le listing des vidéos. Parfois, il peut être pertinent de la personnaliser, tout simplement pour donner une identité à votre chaîne ou faire que la vidéo soit plus visible parmi le flot de contenu que diffuse YouTube. Alors, ici, je suis dans YouTube Studio, mais je pourrais très bien récupérer le lien de la vidéo, de n'importe quelle vidéo. Je pourrais prendre le lien de cette vidéo, par exemple. Mais ici, comme je souhaite personnaliser ma miniature, je vais copier-coller le lien. Il y a d'ailleurs un petit bouton à cet effet. Je copie-colle le lien. Comment télécharger la miniature? Eh bien, il y a sans doute plusieurs façons de faire. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'aller sur Bing et de taper YouTube Thumbnail Downloader. Alors, je passe un petit peu les vidéos suroptimisées, puisque ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt l'outil qui m'intéresse. Ça ne nécessite pas de télécharger une application, il suffit de se connecter à ce site, de coller le lien de la vidéo, et ça se fait tout seul. Ici, on ne voit pas pourquoi, parce que la vidéo que je vais optimiser est en résolution trop basse pour qu'il puisse trouver un thumbnail assez grand, mais sinon ici, j'ai en small et medium. Alors, je vais faire un second test avec cette vidéo ici. On va voir si ça a fonctionné parce qu'il y a plus de choses dans la barre d'adresse, il y a channel et tout ça. Bon, on va voir si le site est assez intelligent. Ça ne nous poserait peut-être pas de problème. Je tape ici, hop, ça fonctionne. J'ai bien le thumbnail en haute résolution, en medium, en small. Imaginons que cette photo m'intéresse puisque c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Je peux télécharger. L'image s'affiche dans un nouvel onglet. Et puis je peux faire clic droit, enregistrer l'image sous. Bureau, je ne sais pas, je vais écrire belle photo, voilà, hop, je l'enregistre. Et j'ai bien mon image téléchargée. Voilà.